Et salut les potes, c'est Dessler, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher. Donc c'est le deuxième épisode, ma petite série de The Witcher. Du coup on s'était arrêté à la taverne et là on va continuer. Donc faut que je parle à ce gars là. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Une cinématique. Ok. Ouais, bah ça encore, c'est pour trouver Siri. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. Un psychopathe. Ah, lui aussi, c'est un alcoolo. Très bien, être un con, je suis pas d'humeur, non, mon problème. Ouais, être un con, il y a des alcoolos jusqu'au bout. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui. Yennefer de Venir. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Lui aussi, c'est un psychopathe. Comment connaissez-vous Yen? Comment connaissez-vous Yen? Quelle question. Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Le mec, il jette des fleurs. Très le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Putain, casse-couille. Ouais, ça regarde ça pas. Ça ne regarde pas. Dites-moi tout ce que vous savez. Venez-en au fait. Un éclaireur Nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp. Plus profond de la nuit, vêtu de noir et de blanc, précédé d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui... Bon, allez. On va suivre. Du coup, on a un coffre ici. On a des coffres dans les tavernes maintenant. Et on va sortir. Ah oh, putain, et c'est vrai, il y a deux casse-couilles. Les mecs qui jouent au dur, tu sais. Alors fous le camp. Pas de toi ici. Bon, allez. Calmez-vous. Je ne suis pas une meute. Oh, oui, oh. C'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le. Oh putain, ils sont casse-couilles. Allez, courage! Allez, oui, c'est fait. À l'autre. Allez, messieurs, voilà. Ce fut un plaisir. Puis lui, il est dans les vapes. Du coup, je vais aller où? Il y a marchand ici. Je crois que c'est... Ils vont les premières armures. Attends, on va lui parler. Comment on se retrouve? Merci de m'avoir sauvé. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs. Je vois que vous avez réussi à sauver la main. J'attends la réparation de mon chariot. Qu'avez-vous à vendre? On va voir ce qu'il vend. Ça c'est quoi ça? C'est... Pote Temerian. Niveau 4. Ok, bah dès que je suis niveau 4, je vais le voir. Ça c'est un truc pour cheval. Aussi cheval. Là il porte plus de poids, ok. Kit de réparation, poids de lapin, ouais après on s'en fout, c'est quoi ça? Ah ça c'est pas mal, je vais l'acheter tout de suite. C'est une formule d'alchimie. Hop. Je vais essayer d'avoir toutes les formules. Allez, je me casse. Au revoir. Hop. Alors la formule, normalement, elle est où? Elle est... Elle est où? Non, elle est pas là, elle est où? Ah. Putain. Ouais, je sais pas où elle est. Ah, je crois que j'ai appris directement. Faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Non, il y a pas un tableau avec des quêtes. Ah si, il est là-bas. Alors le tableau cliquette, il est là.
Alors, avis de recherche déserteur, mort aux envahisseurs, édit impérial. Contrat de démon. Ah voilà. On va prendre le démon du puits. On va faire une quête par une quête, hein, parce que sinon après c'est le bordel. Le démon du puits. Il me donne aussi une quête, mais je m'en fous pour le moment. Alors. On va changer de quête. J'ai pas fait la quête principale tout de suite. J'ai déjà fait les quêtes secondaires. Contrat de sorceleur. Les démons de près du puits. Alors je vais changer. Je vais mettre. Un piège magique. Voilà. Ah merde, je peux pas. Hop. Alors j'ai interrogé au-delà les propos du contrat. Allez putain, descend, il met un temps fou à descendre, un truc de fou. Allez, allez, parle. Bonjour l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, pareil. Oui. C'est un puits depuis une bonne fois. Ok. Ouais, de toute façon, je sais ce que c'est. Ça va être un monstre dans le puits. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau. De l'eau pure, pas de la bière ou du... Décrivez-moi votre fond. Ben, il fiche une trouille pas possible. C'est un fantôme, ouais, c'est normal. Bon allez, je vais vous aider. Parlons de ma prime. Je compatis. Mais nous devons rediscuter. La somme offerte vous convient pas. Oh, on va faire plus, hein. On va pas mettre, on va pas trop abuser. On va ajouter 5 à la prime. Je pourrais s'arranger si vous baissiez un peu votre prix. Putain. Bon, marché conclu. D'accord. À Galetas. Alors c'est bon. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas. Y a un truc dans le coffre? Je crois qu'ils disent rien qu'on pique, non, non, ils disent rien. Hop, on va tout piquer. Vinaigre, là y a rien. Tissu, minerai d'argent, clean, kit de réparation, pas mal de trucs. Ah, je peux grimper là au-dessus? J'ai jamais vu. Bah, comment j'ai fait? J'ai jamais vu qu'on pouvait grimper là-dessus. C'est la première fois que je vois ça. Attends, je vais grimper par là. Ouais, je crois qu'il n'y a rien. Bref. Ici, est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Ouais, normalement. Voilà, ramasser. Oh. Et il n'y a plus rien. Allez, direction le puits, à bousiller du monstre. Alors le puits est où à 200 pas? Ouais, ça va, c'est pas très loin. Allez, plus que 100. Allez, bibiche. Et nous voilà. Putain, ça y est. Hein. Maintenant, faut trouver ce monstre. Voilà le fameux puits. Je ne vois aucun signe. Il y a champignons. Il y a quoi d'autre? Il ne se montre qu'à une certaine heure du jour. Allez, on va tout prendre avant qu'il arrive. Il me semble qu'il doit faire nuit pour que le monstre arrive. Je sais plus si c'est ça. Allez, on ramasse tout. C'est tout bon, j'ai tout pris? Ouais. Putain. Bah quand il a du mal à bouger, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre par là? Ouais. Un coffre, graisse d'ours, de chien, glossu fif argent. Un autre coffre, poussière, poudre et l'argent. Dans le puits, je sais qu'il y a des trucs. Mais on va buter le... autour du puits est brûlé. On va buter le monstre avant. Alors, faut... méditer. Méditation, on va aller. Allez, à 23h.
Là, voilà. Je dois m'approcher. Un spectre de midi. Hop. Qu'est-ce qu'il fait ici? Attends, j'ai... Ah non, j'ai pas le bon truc. Pourquoi je peux pas mettre le piège? Allez, voilà. Elle s'est enfuie, mais elle reviendra demain. Quelque chose la retient ici. Quoi? C'est déjà jour? Attends. Il fait nuit. Ah non, je crois que c'est un démon de... Non, de midi. Attends, est-ce qu'elle va spawn? Non. Attends, je mange un petit truc. Non, elle spawn pas. Attends, si on bouge encore un petit peu. Non, toujours pas. Bon, on va reméditer, hein. Jusqu'au coucher du soir. Toujours pas. Les spectres de midi, bah non oui, c'est un spectre de midi apparemment. On va faire midi pile. Normalement, elle doit arriver. Ah, voilà. Ah non. C'est quoi ce bordel? Elle est où? À moins que je prenne d'autres trucs... Je vais faire d'autres trucs peut-être, je sais pas. J'espère au moins que ça bug pas, que ce soit pas un bug. Parce que sinon ça fait chier. Parce que la première quête, déjà un bug. Y'a quoi prendre? Poupée. Un journal. Non, un journal. Ça pourrait servir. Un procès, ok. Bah écoutez, on va encore méditer, hein. Allez, une heure de plus. Allez. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. Bon. Je vois pas. Merde, j'ai une arbalète ou pas? Ah putain, faut que je monte. J'ai zappé qu'il y avait le corps. Bracelet. Et quoi d'autre? Par contre, c'est la merde pour sortir. Ici. C'est pas où que je suis allé, pardon. Au moins je ne remonte pas les mains vides. Le bracelet devait appartenir à la femme donc. Bon, je remonte au-dessus. Oula, j'ai eu par là. Est-ce qu'il y a des trucs dans le... ici. Ah non, ah si, il y a un truc quand même. Ah, il y a un autre chemin là-bas.
je vais aller voir. Ramassis, pierre, schéma, carreau de timon, ça c'est pas mal. Pas chez manuscrit. Ok. J'ai une autre forme de chimie. Et on va voir c'est quoi l'autre zone. Lisez l'entrée concernant le spectre de midi dans le bestiaire. Ah, je veux bien, mais bon. Y'a rien à récolter là. Putain, y'a une grosse vague hein, pour un étang. Alors, lisez l'entrée concernant les spectres et midi dans le bestiaire. Alors, glacière, bestiaire, spectre. De midi. Alors il faut poussière de lune, lui contre spectre et Irden en signe. Ouais, bah de toute façon j'ai déjà Irden. Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu. Un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. D'accord, faut que je trouve l'objet. Alors il y a des traces. Je peux pas... Attends, je vais ramasser. Voilà, c'est le bordel. Ah. Là. Vas-y, bouge. Non, non, il veut pas. Il a dit non, il veut pas, Gérald. Il fait grève. Le spectre de midi ne s'aventurera pas très loin du puits. Ok. Bon bah je vais retenter de méditer. Hein. Allez. Oh, je vais peut-être méditer encore à peine plus. Allez, 2 heures de plus pour vraiment midi pile. Ah, te voilà. Merde. Je me suis trop approché. Allez, viens par là. Il passe. Elle s'enfuit, mais elle reviendra demain. Quelque chose la retient ici. Putain, j'ai pas fini de trouver les trucs. Faut que je trouve quoi cette fois? Non, y'a rien. Ici y a rien, là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, y a rien. Ouais, bah c'était là-bas, mais bon, je peux pas choper le... Donc, ah ouais, c'est à peine plus loin. Fait que je continue. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. C'est l'espèce du mini-village en ruine. Ok, un autre truc encore à découvrir. C'est quoi? Ah, les taches de sang. À peine visible. Quelqu'un a été traîné par là. De son vivant. Alors, il a été traîné où? Des empreintes de mains ensanglantées, celles d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée, elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables. Ok. Encore. Ah, ok, ça va être le point du qu'il va falloir que je descende. Attends, sors ton épée. Non, oh putain. Ah non, fallait juste tirer. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Là. Un petit lapin qui passe au calme derrière. Bon allez, ok, incinéré, du coup faut que je prenne le signe. Examinons ça de plus près. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps.
Alors, Igni. Devrait me préparer à l'affrontement. Au côté de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions. Mais non, pas besoin de boire des potions. Et le bracelet. Igni. Ouais, elle est pas belle, hein, ça y est. Ouf. Ouais, elle me fait mal. Prends ça. Elle est passive. Voilà. Allez, viens par là. Putain. Le piège, il reste pas longtemps. Ouf, les dégâts qu'on a fait. Putain. Oh non, mais dis pas qu'elle se transforme. Allez, viens par là, viens par là. Oh non, putain. Allez, 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 allez. Voilà. Alors, essence de spectre, poussée imprégnée, mutagène, essence lumineuse, poussière d'émeraude, des trophées de spectre. Ok. Ouf. Putain, faudrait que je rachète de la bouffe, j'ai plus de bouffe. Le petit cheval, il est où? Il est où? La blette. Viens là. Allez, Udana. Alors attendez. Inventaire, qu'est-ce que j'ai eu? Gimfnavad, ok. Aurin. Et des florins. Ok, de la monnaie. J'ai une page du journal. Contrat. Ah oui. Le trophée, par contre, il est passé où? Ah, ça me l'a directement équipé. Alors, le trophée, j'ai quoi? Attaché à un trophée. 5% de bonus d'expérience humain et non humain. Ouais, ça me sert à rien, il faudra que je trouve un autre trophée. Allez, on rentre à la maison, on récupère la prime. C'est bien, Ablette. Pourquoi il y a des cartes partout là? Allez, je descends. Je parle au bonhomme. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme du. J'espère que ok, j'ai tué la bestiole. Ok, blablabla. Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais... Il y a votre or pour votre fille. Bah non, on va prendre l'or quand même. Et si on vous dit que je donnerais une dot à un sorceleur? C'est une drôle d'époque, non? T'as que 23 couronnes, quoi. Tu risques ta vie, il donne pauvre... Enfin, 4 pauvres couronnes. Enfin, que 24, ça veut dire. Putain, j'ai du mal. Maintenant, interroger les nifs gardiens. Non, j'ai pas trop envie, on va se balader un peu. Bah, je pense que je vais arrêter là pour la deuxième épisode. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, je vais arrêter là pour le deuxième épisode. Et comme ça, je peux attaquer le troisième épisode. Bon, bah j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo. Toujours, bah, si vous voulez faire la petite figurine en Geralt en papier, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et voilà. Allez, sur ce, je vous dis bon jeu, sorceleur. Moins vite.